Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chronique Bousse. Je m'appelle Hilary. Je m'appelle Agathe. Je m'appelle Camille. Ce livre s'intitule Sur le fil. Il est écrit par Estelle Mascam, qui est aussi l'auteur de Dimaïli, une série aux 4 millions de lecteurs. Elle écrit pour les adolescents. Ce livre est paru le 21 juin 2018. L'éditeur est Pocket Jeunesse. Ce livre ne fait pas partie d'une série. J'ai beaucoup aimé les couleurs de la couverture qui sont bien choisies et assez ternes. On y voit un ciel étoilé qui procure une sensation de bien-être. Mackenzie Raver a 16 ans. Elle avait tout pour avoir une vie parfaite. De bonnes notes, de bons amis et le beau Jaden qui craquait pour elle. Jusqu'au jour où il arriva une tragédie qui lui fait perdre de vue la famille entière. Jusqu'au jour où ses sentiments pour Jaden la rattrapent. Will, l'ami de Mackenzie, est aux petits soins avec elle. Toujours à côté d'elle, il la soutient, il est toujours là pour elle. Holden, qui est aussi l'ami de Will et de Mackenzie, est quelqu'un d'assez colérique. Parce qu'il cache un lourd secret. J'ai beaucoup aimé ce roman car il y avait de l'action, les personnages sont attachants et le suspense est tenu du début jusqu'à la fin. Par contre, la fin m'a moins plu, je l'ai trouvé un peu brutal, j'aurais préféré qu'il y ait plus de sentiments. J'ai beaucoup aimé ce roman car il est émouvant et que l'intrigue nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Agathe qui, elle, trouve la fin brutale. Moi, je trouve la fin imprévisible, donc cela m'a beaucoup plu. J'ai adoré ce roman qui était assez sentimental et avait assez d'émotions. Je n'ai pas aimé la fin que j'ai trouvée trop bouleversante et je suis d'accord avec elle. Ce livre est à lire de toute urgence. Même si nous n'avons pas été d'accord sur quelques points, nous avons toutes les trois trouvé ce livre super. Et nous lui mettons 5 étoiles. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et ne bougez pas, le bêtise y arrive. Holden, qui est l'ami de Will et de Mackenzie, est plutôt colérique. Moi, je ne pense pas trop. Je pense qu'Holden est quelqu'un d'assez gentil, respectueux, mais que sa colère est une façade, car il cache un lourd secret que vous découvrirez à la fin du livre. Si tu veux. Ce livre est à lire de toute urgence. Même si nous n'avons pas été d'accord sur quelques points, nous avons quand même toutes les trois trouvé ce livre super. Et l'avons noté 5 étoiles. Je voulais pas prendre J'aime bien, nous l'avons noté.